safe in here, right? Je sens que ça va être très très compliqué. Très 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 compliqué. Je l'attendais depuis 9 mois, c'est-à-dire que à aucun moment dans une journée, je n'ai pas regardé une news, je n'ai pas suivi les actualités. C'était le film que j'attendais le plus, certains attendent Star Wars 7 avec impatience, d'autres attendent Terminator. Cette année, pour moi, c'était Jurassic World. Il y a énormément de choses que j'ai à dire sur ce film-là. Je voudrais juste, et je jure que j'en frissonne, là, rien qu'à l'idée de repenser à tout ce que je viens de voir. Je voudrais remercier Colin Trevorrow du fond du cœur, puisque c'est incroyable, je parle vraiment avec mon cœur, ça va être une critique très subjective, mais je suis obligé de commencer par ça. Ça me fait mal, vraiment, de voir les critiques de certaines presses qui désinguent un petit peu Jurassic World, qui n'ont peut-être pas compris, et qui ont le droit, puisque c'est un film qui a les défauts de ses qualités, qui fourmille de petits défauts par-ci par-là, que je vais vous expliquer d'ici quelques minutes. Mais je suis retombé en enfance avec Jurassic World. J'ai eu l'impression d'avoir 10 ans à nouveau, et c'est peut-être la plus belle chose que puisse te donner le cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu regardes un film, te dire, voilà, tu n'es pas un spectateur, tu es à l'intérieur, tu es au sein même du film, et tu penses à quelque chose d'autre, tu es pris d'une émotion par rapport à la musique qui est signée Michael Giacchino, qui a fait entre autres Lost, tous les films de J.J. Abrams, Super 8 notamment, qui est mon compositeur préféré, tout était mis en scène pour que je sois déçu finalement. Pourquoi? Puisque avec une telle attente, je ne pouvais être que déçu. J'étais vraiment imprégné de ce film avant même sa sortie. Et non. Non, non, ça a été un choc, ça a été une claque. Je suis allé le voir au Grand Rex, je vous encourage d'ailleurs à y aller, puisque c'est pour moi peut-être la plus belle salle de cinéma en France et en Europe, il y a une ambiance exceptionnelle. Alors, pour parler un petit peu critique quand même, on va se lancer. Jurassic World, c'est quoi? C'est l'histoire de Jurassic Park 22 ans après, repris par Simon Masrani, qui est la 8e plus grande fortune des États-Unis. Et voilà, le parc marche, le parc fonctionne. Beaucoup de dinosaures, à peu près 20 000 visiteurs de moyenne, ce qui fait quand même une bonne moyenne. Et énormément de choses à se mettre sous la dent, énormément de dinosaures à voir. Jurassic World a les défauts de ses qualités, et je vais commencer par le début, évidemment. C'est le scénario. Le scénario est dans la lignée d'un fan movie absolu. C'est-à-dire qu'il est fait par les fans, pour les fans, et en ce sens, on pourrait dire, on pourrait penser, effectivement, qu'il se perd un petit peu et qu'il se suffit à lui-même et qu'il essaie de faire un copier-coller de Jurassic Park. Moi, je pense pas ça. Bah, disons que si, évidemment, je pense que Jurassic World a plus ou moins copié Jurassic Park dans certaines choses, notamment dans certaines trames. Je pense, je vais éviter de spoiler un maximum, je pense à la scène de la gyrosphère avec les deux enfants, qui est vraiment, vraiment pas loin de la scène de la voiture avec les deux enfants dans Jurassic Park. Vraiment un retour aux sources, une apothéose de tout fan de Jurassic Park qui se respecte. On ne peut qu'avoir des frissons, et c'est... Voilà, je pense que pour moi, on ne peut pas apprécier Jurassic Park sans avoir de bons rôles. Et Jurassic World s'en sort très bien, parce que Jurassic World reprend Jurassic Park et que les véritables héros, ce sont les dinosaures. C'est-à-dire qu'on tombe dans un film où lui, ce petit bout en train là... Je danse, mon beau. Rien que pour toi. C'est pas le personnage principal du film. Le personnage principal du film, c'est elle. C'est Blue. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel quand on pense à Jurassic Park qui te faisait, et c'est Spielberg qui le disait, un film ancré autour des dinosaures. Les personnages, et c'est une phrase assez intéressante de Spielberg, le disait, ne vous attendez pas à un Oscar, puisque les vrais héros, ce seront les dinosaures. On retrouve cet esprit-là qui était passé complètement à côté du Monde Perdu et de Jurassic Park 3, Le Monde Perdu étant un peu plus focalisé sur Ian Malcolm et Jurassic Park 3... Ben, je sais plus. Pour parler des personnages, très impressionné par le rôle d'Omar Sy. Puisque même si je suis pas un adepte du Figaro, je suis pas un adepte de ce genre de journaux, qui, vous pourrez le lire hein, de toute façon, qui n'hésite pas à te dire qu'Omar Sy a un rôle presque de figuration, moi je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai vu en VF et en VO, j'ai largement préféré la VO. Pourquoi? Parce que ça doit être très très difficile de doubler sa propre voix. On peut penser à Jean Dujardin et Marion Cotillard, par exemple, que beaucoup de gens critiquent. Je pense que c'est par rapport au doublage, se doubler soi-même, ça doit être très difficile. Pour moi, très honnêtement, il n'y a que Jean Reno, et Vincent Cassel qui sont capables de le faire. Mais on le voit beaucoup, il a un rôle très intéressant, son binôme avec Chris Pratt marche très bien, en parlant de Chris Pratt d'ailleurs, charismatique, on retrouve du Star-Lord, beaucoup plus dans la réserve que dans les Gardiens de la Galaxie, ça c'est vrai, mais on le retrouve un petit peu dans une espèce de, voilà, pour refaire une référence à Mad Max,
on retrouve un film où finalement c'est la jante féminine qui est très importante. C'est-à-dire que Bryce Dallas Howard sera le personnage principal, au même titre que les dinosaures, qui sont toutes des femelles. C'est assez intéressant puisque Mad Max Furiosa, dans Mad Max Fury Road, est de loin la personnage, le protagoniste principal du film. Donc vraiment Chris Pratt dans la réserve, Chris Pratt très charismatique, pas besoin d'en faire trop, un humour totalement assumé, ça aussi c'est génial, je pense à, donc, par l'un des personnages, à Jack Johnson que je connaissais pas. J'ai regardé Safety Not Guaranteed de Colin Trevorrow, donc le réalisateur, il y a quoi, il y a deux jours peut-être, trois jours. C'est un très très bon acteur, je vous le conseille, Jack Johnson, je connaissais pas, et vraiment une belle surprise. C'est d'ailleurs lui le responsable, finalement, de la moitié des références de Jurassic, puisqu'il porte un t-shirt de Jurassic Park. Tous les petits dinosaures sur son comptoir de sécurité, ce sont les petits animaux avec lesquels joue Ellie dans Jurassic Park dans le premier. Donc on a vraiment cette idée, encore une fois, de multiples références par rapport à un personnage. Vincent D'Onofrio, un méchant comme je les aime. Je vous jure, un méchant comme je les adore. C'est pas compliqué, cet acteur-là, je l'aime depuis Men in Black. Il faut savoir qu'il a joué le méchant dans Men in Black. J'ai regardé la série Daredevil que j'ai adoré, je vous la conseille aussi, mais ça, à mon avis, vous avez dû en entendre parler. C'est le Kaïd. On n'a jamais eu un Kaïd aussi charismatique. Il envoie Michael Clarke Duncan, paix à son âme, très très loin derrière. Et Vincent D'Onofrio, tu ne peux pas rester indifférent à ce personnage-là. Tu ne peux pas être indifférent. Et c'est ça le plus important, qui amène d'ailleurs à une scène d'anthologie. Il y a pas mal de scènes dans Jurassic World, d'ailleurs j'y reviendrai, qui tiennent la dragée haute à la première saga de Jurassic Park 2 notamment. C'est le rôle de Simon Masrani, qui est joué par Irfan Khan, la star bollywoodienne dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, que je ne connaissais alors ni d'Adam, ni d'Eve, ni de D8, ni d'Anouna, hein, de rien du tout. Mais je dois dire que bonne surprise, puisque c'est un rôle aux antipodes de John Hammond. Dépenser sans compter, c'est une phrase qu'il dit à plusieurs reprises, et c'est à peu près la seule chose qu'il reprend à John Hammond, c'est le propriétaire du parc. Et finalement, attention spoiler, il va y laisser sa peau dans une scène magnifique en hélicoptère. Et en fait, c'est le plus important. Ça paraît très con, mais c'est le plus important dans un film. C'est au moment où tu regardes ça et où tu te... Ah oui. Lui, j'avais commencé à bien l'aimer. Il sortait du lot. Ah, c'est con. Et c'est finalement, c'est ça la marque d'un bon film. On pourra dire ce qu'on veut. À partir du moment où un personnage te donne une émotion, c'est le plus intéressant. Irfan Khan, très très bon. Une sorte de... Comment dire, une sorte de milliardaire qui adore les sports extrêmes, qui est adepte d'hélicoptères, etc. Mais tout en maîtrise. Faut savoir que Jurassic World, c'est très très assumé. Il y a beaucoup de scènes d'humour et beaucoup de scènes un petit peu épiques, héroïques, mais qui sont assumées derrière. Je pense à Chris Pratt, par exemple, qui va rouler sa pelle, évidemment, puisque c'est un tombeur, qui roule sa pelle à Bryce Dallas Howard. Mais c'est enchaîné tout de suite avec une blague. C'est-à-dire qu'il y a un humour constant dans le film, et ça c'est une vraie bonne chose dans le film. Un humour décapant qui aide justement à un film qui n'est pas Peggy. Je l'ai trouvé assez violent pour un Jurassic Park. Les critiques le disent d'ailleurs, je crois que c'était Le Monde qui disait ça, que là on arrive dans un film où oui, effectivement, il y a du sang. On n'est pas là pour rigoler, les raptors sont effrayants. Une scène notamment dans les hautes herbes, évidemment, qui pourrait presque faire penser à un Alien le Retour ou un Starship Troopers qui se passe de nuit, où un commando d'élite se fait massacrer par les raptors. C'est un peu too much à mon goût, je dis pas, certes, mais c'est bien trouvé. C'est-à-dire que si on n'avait pas deux ou trois plans, c'est ça aussi le problème du film, si on n'avait pas deux ou trois plans sur une giclée de sang sur une vitrine notamment, je crois que ça arrive à deux reprises, si on n'avait pas une main, parce que c'est assez cheap finalement ça, de réaliser une scène comme ça, dans la mesure où on n'en a pas forcément besoin dans le scénario, une main qui tape contre une vitrine ensanglantée avec un gars à moitié mort qui dit « courez, courez », je pense pas que ce soit très utile, puisque ça fait limite série B. C'est la première fois que j'ai vu le film, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. La deuxième fois, un petit peu moins, je me suis dit que les commandos, finalement, étaient assez restreints par rapport à la première fois où je m'étais dit, là, ouais, il y en a quand même beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant de pouvoir voir un film en plusieurs fois. Et en parlant des personnages, on pourra pas terminer autrement, les protagonistes principaux, comme je l'avais dit, les dinosaures. Les vélociraptors, il faut aimer le concept de pouvoir les dresser. Moi, perso, ça m'a donné des frissons, les scènes avec Chris Pratt. Et comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, finalement, il faut tisser un lien que n'a pas l'Indominus, responsable, justement, des problèmes génétiques. On a un lien très fort avec la génétique, la nature, contre ce qui n'est pas naturel, au moment où B.D. Wong dit, finalement, rien n'est naturel à Jurassic World. C'est vrai, finalement, c'est criant de vérité, à Jurassic World, rien n'est naturel. L'Indominus, en passant, il est effrayant. C'est le seul dinosaure pour lequel tu n'as aucune sympathie.
avec le Spinosaur peut-être, mais celui-là, c'est parce qu'il était responsable du plus grand viol de tous les temps depuis que Ike tapait sur Tina Turner dans les années 80. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus ou moins la même direction. Mais sinon, l'Indominus, dès sa naissance, et à chaque fois qu'on le voit, on ne veut qu'une seule chose, c'est que le Mosasaur vienne et le déglingue. C'est ça, ou le T-Rex, ou les Raptors, ou n'importe quoi, puisqu'il n'attire aucune sympathie, et c'est dans ce sens que le film devient effrayant. L'Indominus est présent, petit à petit, sur plusieurs scènes, il fait 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, mais il est toujours dans les esprits. Ça, c'est la réalisation de Colin Trevorrow, et la réalisation de Colin Trevorrow, elle est irréprochable. On sent l'homme qui est passionné par Spielberg, par rapport à sa manière de filmer, par rapport à son lien avec les enfants. On peut penser par exemple au grand frère qui se trouve une fraternité qu'il ne connaissait pas en arrivant sur l'île, de la même manière que dans Jurassic Park, Alan Grant se trouvait une paternité pour les enfants qu'il n'avait pas en partant, puisque de toute façon il détestait les enfants à l'époque. Et ça, c'est l'effet Trevorrow. Trevorrow qui est un disciple de Steven Spielberg, et qui pour moi peut devenir peut-être le prochain Steven Spielberg. Je vous conseille vraiment de voir Safety Not Guaranteed, un film un peu plus d'auteur, un peu plus intimiste, où il n'était pas autant connu. Et voilà, on sent la patte Colin Trevorrow, qui est très 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 intéressante, et qui permet voilà, de retrouver encore une fois cet état d'esprit. Après, voilà, pour conclure, c'est vrai que c'est un film qui a ses défauts, qui pêche par le scénario. Effectivement, ça je ne peux que le souligner. Mais c'est un scénario qui est comblé si on est vraiment fan de Jurassic Park. C'est-à-dire que rentrer à ce moment précis dans le parc te fait presque oublier si tu es fan. C'est pour ça que c'est un fan movie. Je pense que les gens qui ne sont pas spécialement fans ou qui n'attendaient pas le film autant que moi auront beaucoup plus de critiques à émettre sur ce film-là. Moi, c'est très difficile et je reconnais le CGI, pas assez d'animatronics, eux, ces petits enculés, j'aurais adoré les voir en animatronics. Pour vraiment frissonner, pour avoir quelque chose d'encore plus impressionnant. Et il le méritait, puisque la scène des Vélociraptors, à la fin du film, où ils se retournent contre les hommes après avoir trouvé un nouvel alpha, qui est l'Indominus Rex, elle est magique. C'est peut-être même la meilleure. C'est une scène qui se déroule sur 40 minutes, et qui m'a fait penser, voilà, on arrive à un moment donné à une aventure à couper le souffle, exactement comme le disait Spielberg dans ses interviews. C'est un film à prendre pour ce qu'il veut donner. C'est un film sans prétention, c'est un fan movie qui me fait très très peur pour la suite. La suite me fait très peur, puisque la manière dont termine Jurassic World laisse un petit peu envisager le fait qu'il y ait une armada de Vélociraptors qui partent en Afghanistan pour remplacer l'armée américaine. Et franchement, je le dis parce qu'ils le disent dans le film. Pour moi, ça sent pas bon. Je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui est dans ma fac de cinéma, qui s'appelle Morgan. Morgan fait son cinéma. Je pense que lui sera beaucoup plus négatif sur le film. Si vous voulez faire une idée, allez-y, puisque ça vous donnera... Deux formats différents. Lui n'est pas fan, moi je suis un inconditionnel, je respire Jurassic Park. Chris Pratt, pour les femmes, c'est du caviar. Bryce Dallas Howard, c'est un fantasme de 2h10. C'est quelque chose qu'il faut vivre. La promotion... Ah si, je sais. Le point négatif. J'ai un point négatif, les gars, je suis désolé, je vais terminer là-dessus, je rajoute 1 minute de plus. Pourquoi, dans votre site viral, vous mettez 30 dinosaures pour en montrer que 10 ? Où il est le Baryonyx, où il est le Tsukimimus et où il est le Metriacanthosaurus. Je viens de dire 3 noms, je suis persuadé que la moitié des lecteurs sont largués, ils ne comprennent plus rien, c'est pas grave. Pour tous ceux qui aiment les dinosaures, le Baryonyx, c'en était un, je le voulais absolument. Je sais pas s'il est dans les scènes coupées, je comprends pas pourquoi l'avoir mis dans le site viral et avoir dit, Colin Trevorrow l'a dit, tous les dinosaures du site viral seront dans le film. Je l'ai pas vu. Ça aurait été très intéressant de voir le Baryonyx se confronter à l'Indominus Rex pour avoir un premier combat véritable entre deux dinosaures carnivores avant celui du T-Rex. Donc voilà, c'était Valou sur Repay Jurassic World. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires qui défileront ci-dessous à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller le voir, parce que j'aimerais qu'il passe les 3 millions, hein, bande de cons. L'affiche, je la laisse. Vous vous en foutez, je dis ça, je dis rien, j'ai fait. Salut, bisous !